Bonjour à toutes, je vous présente donc un bonnet norvégien, donc les bonnets oreilles. Moi j'appelle ça aussi des bonnets oreilles, mais c'est plus le style norvégien. Du coup, pour ce bonnet, c'est une taille naissance 3 mois. J'ai utilisé de la laine 3/4, la grosseur 3/4. Et j'ai utilisé des aiguilles numéro 4. Très simple à faire. Rien de compliqué. Donc ici, point mousse. Et puis on repart après sur du point jersey. Donc très simple, rapide. Vu qu'en plus il fait un peu froid. Donc ça change un peu des bonnets. Je trouve ça sympa. Alors, pour cela... on va monter, on commence à monter les oreilles. Donc pour cela, on monte 5 mailles, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On fait un rang tout à long droit. On est au point mousse pour l'oreille. Donc tout se tricote à l'endroit. 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Donc, le premier rang, on tricote les 5 mailles. Le deuxième rang, on fait une augmentation. Donc on tricote la première maille. Et on vient faire une augmentation, donc on va tricoter deux fois la même maille. Donc là, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je tricote la maille, mais je ne la fais pas tomber. Je la garde ici, vous voyez, elle est encore sur mon aiguille. Je passe derrière, je la prends par derrière, une deuxième fois, et je la tricote. Donc je tricote deux fois la même maille. Donc là je tricote une maille individuelle et je refais une augmentation. Donc je tricote la maille mais je la laisse sur mon aiguille. Vous voyez, je ne la fais pas glisser. Et je viens la repiquer pour la reprendre à l'extérieur, derrière. Et je la tricote. Donc je tricote deux fois la même maille et une maille individuelle. Je tourne mon travail, je tricote tout le rang à l'endroit. Je fais une augmentation, donc un rang d'augmentation. Donc je tricote une maille, la première, deux fois. La deuxième, une, deux, trois mailles individuelles, une augmentation, donc deux fois la même maille, et une individuelle. Je tourne mon travail. Et je tricote tout à l'endroit. Je fais un rang d'augmentation, donc je tricote ma première maille, deux fois la deuxième, une, deux, je tricote une, deux, trois, quatre, cinq individuelles, une augmentation, donc je tricote deux fois la même maille, et une maille. Une fois que j'ai fait ça, donc là maintenant, on va faire trois rangs
tout à l'endroit. Donc là, ça sera le premier. Premier rang. Deuxième rang. Et troisième rang. Une fois que j'ai fait mes trois rangs, je fais un rang d'augmentation. Une maille individuelle, je tricote deux fois la même maille, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles individuelles, une augmentation, deux fois la même maille et une maille. Une fois qu'on a fini le rang d'augmentation, on tourne notre travail et on est reparti sur trois rangs tout à l'endroit. Donc ça, c'est le premier rang. Deuxième rang, donc je tourne mon travail. Et le troisième rang. Et là, on va faire un rang d'augmentation. Je tricote une maille, une augmentation, donc deux fois la même maille. Et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles individuelles. Une augmentation, deux fois la même maille. Et une maille. Je tourne mon travail et je vais tricoter trois rangs tout à l'endroit. Donc ça sera le premier. Mon travail, je fais le deuxième. Puis le troisième. Là, je suis au troisième rang. Et on fait un rang d'augmentation. Donc, on fait un rang d'augmentation. Donc, une maille. Une augmentation, donc deux fois la même maille. Après, individuellement, on va faire une...
6, 11, 11 mailles individuelles, une augmentation, donc deux fois la même maille, et une maille. Et une fois qu'on a fait ça, on va tricoter tout à l'endroit. Ouais, je vous montre ce que ça donne. Les augmentations sont finies. Et là, on va continuer à tricoter pour obtenir 7 cm de haut total. Donc en partant du bas, on doit obtenir 7 cm de hauteur totale au point mousse. Donc là, on tricote tout à l'endroit. Et normalement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc là, vous avez 17 mailles et on tricote les 17 mailles tout à l'endroit jusqu'à obtenir 7 cm de hauteur. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Les 17 mailles, on les tricote à l'endroit jusqu'à obtenir les 7 cm. Et on se retrouve une fois que vous avez vos 7 cm. Je vous dis à tout de suite. Une fois que j'ai tricoté donc mes 7 cm, je ne sais pas si vous voyez, hop, 7 cm, je fais tout simplement, je coupe mon fil, je laisse une toute petite longueur, parce qu'il va falloir le cacher tout à l'heure. Moi, je le laisse sur mon aiguille et on recommence la même chose pour faire la deuxième oreille. Alors, soit vous laissez sur votre aiguille ou vous mettez sur une autre aiguille ou un arrête-maille. Donc, moi, je laisse dessus et je vais retricoter ma deuxième oreille. Une. 4 et 5. Et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve une fois que vous avez tricoté votre deuxième oreille. Donc pareil, coupez le fil. Faites exactement comme la première. C'est-à-dire, une fois fini, vous coupez votre fil. Tout simplement. Et on se retrouve. Donc. À tout de suite. Une fois qu'on a tricoté, donc voilà, moi, mes deux oreilles. Donc, je les laisse en attente sur mon aiguille. Et là, je prends le fil. Hop, je laisse mes oreilles qui sont en attente. Et donc, je prends mon autre aiguille. Et là, je vais monter 9
maille. Neuf mailles. Une fois que j'ai monté mes neuf mailles, je viens ici pour reprendre ma première oreille. Donc là, mes neuf mailles, et je tricote les 17 mailles de l'oreille. Alors, la première maille, n'hésitez pas à tirer un peu pour resserrer, ça risque d'être un petit peu ouvert autrement. Donc, je tricote mon oreille. Une fois que j'ai tricoté mon oreille, donc la première, il m'en reste une. Ici, je monte 20 mailles. Donc, 1, 2, 3. En fait, je passe mon fil comme ceci autour de mon pouce. Et ça fait... Ça se croise et je prends l'aiguille, je la passe par en dessous. Alors, je ne sais plus à combien je suis. C'était 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que j'ai monté mes 20 mailles, je reprends mon aiguille où j'ai mon oreille dessus et je vais tricoter les 17 mailles. Donc la première, je serre un peu pour être sûr que ça soit pas trop ample, qu'il n'y a pas de trou. Donc là, je tricote les 17 mailles de ma deuxième oreille. Et à la fin de ces 17 mailles de l'oreille, je vais remonter 9 mailles comme au démarrage. 17 mailles de ma deuxième oreille. Et là, je monte 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Une fois que j'ai monté tout ceci, je vais tricoter 4 rangs au point mousse. Donc là, c'est le premier rang. Donc, tout à l'endroit. Alors faites attention de ne pas perdre une maille en cours de route. Donc là, je tricote toutes les mailles.
70, 71 et 72. En tout, il y a 72 mailles. Une fois qu'on a monté toutes les mailles. Donc là, j'ai fait un rang et il m'en reste encore 3 à faire. Donc en tout, 4 rangs avec les 72 mailles. Donc là, j'ai fait le premier. J'attaque mon deuxième. Et on se retrouve au quatrième rang, tout à l'endroit. Donc là, on est toujours au point de mousse. On ne change pas, on tricote tout à l'endroit. À tout de suite. Une fois qu'on a fait les 4 rangs au point mousse, on va faire du jersey. Donc là, le premier rang tout à l'endroit. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est du jersey, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et une fois, on va tricoter le jersey pendant 6 cm. Donc, ayez un mètre ruban à côté de vous. Premier rang tout à l'endroit. Alors sur ce bonnet là, je ne fais pas de maille lisière. Vous pouvez, hein, il n'y a aucun problème. Hop. Et je tourne mon travail, donc le deuxième rang, tout à l'envers. Et on va faire comme ceci, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et il faudra avoir 6 cm de hauteur en jersey. Et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Hein, mes deux oreilles. Et mes 6 cm, je ne sais pas si vous voyez, hop, 6 cm de jersey. Donc d'en haut, j'ai 6 cm de jersey. Une fois que j'ai les 6 cm de jersey, on va commencer les diminutions. Pour tout simplement commencer à former le bonnet, c'est-à-dire le haut du bonnet. Donc pour cela, on va commencer par tricoter une maille. Donc on commence par une maille et deux mailles ensemble. Alors moi, mes deux mailles ensemble, je les prends par derrière parce qu'elles sont derrière. Pour celles qui tricotent en prenant les mailles ici par devant, vous prenez vos deux mailles ensemble par devant.
vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc deux mailles ensemble à l'endroit. Puis nous allons tricoter 10 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix. Deux mailles ensemble à l'endroit. Vous les tricotez comme vous avez l'habitude de faire. 10 mailles, une. 9 et 10. Deux mailles ensemble à l'endroit. 10 mailles. Et on va répéter comme ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deux mailles ensemble à l'endroit. 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mailles ensemble à l'endroit. 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et on va tricoter 3 rangs. Donc c'est-à-dire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Donc on fait 3 rangs de jersey. Donc là, ça sera un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et une fois que vous avez fait vos 3 rangs, on se retrouve. Je vous dis à tout de suite. Une fois qu'on a fait donc les 3 rangs, donc là, on est de nouveau du côté face. Donc à l'endroit du travail, on fait un rang de diminution, donc on fait comme tout à l'heure une maille, 9 mailles, non, une maille individuelle, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Ensuite, on fait 9 mailles individuelles, 2. 9, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 2 mailles ensemble à l'endroit. Là, les diminutions, ça sera que sur l'endroit. 9 mailles, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles ensemble à l'endroit, 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles ensemble à l'endroit.
9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne notre travail, on fait un rang. Alors cette fois-ci, on fait que un rang tout à l'envers. Et une fois terminé le rang tout à l'envers, on se retrouve. À tout de suite. Une fois fini le rang tout à l'envers, on fait une maille, deux mailles ensemble, à l'endroit, 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble, à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles individuelles, 2 mailles ensemble, à l'endroit, 8 mailles individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 2 mailles ensemble, à l'endroit, 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles ensemble à l'endroit. 8 mailles individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles ensemble à l'endroit. 7 mailles, 1 individuelle, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Et on se retrouve une fois fini le rang tout à l'envers. Donc une fois fini le rang tout à l'envers, on recommence. Donc une maille, deux mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. 7 mailles, 1, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. 7 mailles, 1, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Et une fois fait le rang tout à l'envers, on se retrouve. À tout de suite. Donc là, une fois fini notre rang à l'envers, on fait une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, six mailles, une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux mailles ensemble à l'endroit, et on continue, six mailles, une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles, deux mailles ensemble à l'endroit, six mailles, une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux mailles ensemble à l'endroit, six mailles, une, donc ma caméra s'était arrêtée, donc j'étais à 4, donc j'ai fait mes 6 mailles, 2 mailles à l'endroit ensemble, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit, et les 5 dernières, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail et je fais un rang tout à l'envers. Et on se retrouve une fois fini le rang tout à l'envers. Une fois fini le rang tout à l'envers, on fait une maille, deux mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles ensemble à l'endroit et 4 dernières mailles, 1, 2, 3 et 4. On tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Et une fois terminé le rang tout à l'envers, on se retrouve. À tout de suite. Donc on reprend une maille, deux mailles ensemble, quatre mailles, une, 2, 3 et 4, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit,
4, 1, 2, 3 et 4. Deux mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et on termine par 3 mailles. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Et là, on fait un rang tout à l'envers. Et on se retrouve une fois fini le rang tout à l'envers. Donc là, on fait une maille individuelle, deux mailles ensemble à l'endroit, trois mailles, une, deux, trois, deux mailles ensemble à l'endroit, trois mailles, une, deux, trois, deux mailles ensemble à l'endroit, une, 3, 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'endroit, et 2 mailles, 1, 2. Tourne notre travail. Et on fait un rang tout à l'envers. Et une fois fini le rang tout à l'envers, on se retrouve. Là, on va faire une maille. Et on va faire tout du long, deux mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit, 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 et on finit par une maille. Voilà. On tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Une fois fini le rang tout à l'envers, on se retrouve. Une fois fini notre rang tout à l'envers, on va faire une maille, deux mailles ensemble à l'endroit, 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 deux mailles ensemble à l'endroit et deux mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et donc il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Une fois qu'on a ça, donc on laisse de la longueur pour la couture et on coupe. Je vais chercher mon aiguille. J'ai installé mon fil sur l'aiguille et je passe le fil dans les mailles, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, donc voilà comment on est. Donc je tire dessus pour fermer mon bonnet. Et pour le fermer, je vais venir piquer ici pour le fermer et tirer dessus. Voilà. Qui se défait pas. Une fois que je suis comme ça,
ici on a des V. Je pique, j'ai un V, un bâton, et je descends dans le V plus bas, j'ai un deuxième bâton. Donc là je passe sur une couture invisible. Donc là c'est pareil, j'ai un V, un bâton, un deuxième V, un deuxième bâton. Moi je fais deux par deux. Après vous pouvez très bien faire d'une autre technique, si vous avez une autre technique. Moi je vous montre comment je fais ma couture. Après, si vous avez une autre façon de faire, à vous de voir. Moi, je vous présente tout simplement ce que je fais. Après, si vous voulez changer des choses, rajouter des choses, pas la peine de me demander. Hein. Vous êtes libre, hein, à vous de faire comme vous le sentez. Hein. Après, c'est sûr que le résultat ne sera pas ce que vous verrez sur la vidéo parce que je ne l'aurai pas tricoté. Donc, je ne pourrai pas vous montrer le résultat. Après, à vous de tricoter suivant votre inspiration. J'ai souvent aussi des demandes de taille. Je veux tricoter en 8 mois ou en 6 mois ou en 1 an ou en n'importe quelle autre taille que je présente. Je ne peux pas vous expliquer, sachant que je ne l'ai pas tricoté de la taille que vous demandez. Ça, il y a beaucoup de gens, je ne suis pas une encyclopédie du tricot. Et non. Donc moi je vous présente seulement les modèles que je tricote. Donc à la taille que je tricote. Je peux pas... si je commence à tricoter le modèle en 4, 5, 6 tailles ou 8 tailles, j'ai plus de plaisir à tricoter. Je suis désolée. Je sais que des fois ça correspond pas aux tailles que vous vous souhaiterez. À vous d'adapter après, tout simplement. Vous les essayez d'adapter. C'est là, moi, je ne pourrais pas vous aider, sachant que je ne l'ai pas fait. Et comme j'ai pas trop le temps et j'ai peu de temps en ce moment, je ne peux pas, je ne peux pas vous aider pour changer. Et vous expliquer où il faut augmenter, comment il faut diminuer, parce que la taille est différente. C'est beaucoup de travail. Donc, je ne suis pas une encyclopédie et je ne peux pas vous aider. Voilà. C'était la petite parenthèse. Donc ici, arrivé au point mousse, je prends la petite barrette en haut et je reviens piquer ici aussi, petite barrette en haut. Et je réunis le point de mousse. Et donc, je vais juste en dessous. Voilà. Et je reviens ici aussi. Donc, elle est où ma barrette? Peut-être un peu trop serrée, là, du coup. Là. Et je serre. Pour réunir, tout simplement. Que j'ai tout réuni, hein. Comme j'ai un fil ici, c'est le fil de démarrage, je fais un nœud pour arrêter la couture et je vais aller cacher. Là, je retourne mon bonnet et je vais venir cacher mon fil tout simplement dans le petit bourrelet qui s'est présenté ici dû à ma couture. Donc
je vais camoufler le fil assez loin. Alors, faut pas trop tirer dessus non plus pour éviter qu'il rétrécisse un petit peu le bonnet. Hop, et je redescends. Voilà, faut pas qu'il fasse comme ça. S'il fait comme ça, hop, on tire un peu dessus pour le remettre correctement. Là, je coupe et je vais cacher tous les fils. Mon fil de démarrage ici, pareil, je vais le cacher dans le bourrelet. Hop, hop, hop. Tout simplement. Alors ici, on va commencer par ici mes oreilles. Donc là, c'était le fil de fin de des petites oreilles. Donc pareil, on va venir cacher hop. Donc je remonte. Donc là, je suis dans le point mousse et je vais venir le glisser. Donc là, moi, je vais à ras. Voilà. Donc je retire un petit peu parce que je veux pas que ça se voit. Et je reviens en marche arrière pour le bloquer, tout simplement. Hop, un coup en avant, un coup en arrière. Et vous voyez là, mon fil est bien là. Donc là, on ne voit pas du tout. Voilà. Et on coupe. On fait pareil, donc pour l'autre côté ici, même chose, et ici pour le fil ici du démarrage des oreilles, hop, et ben je reprends la même façon, je vais venir le cacher ici. Donc faites attention, je suis bien sur l'envers. Cachez votre fil sur l'envers du travail, pas sur l'endroit. Autrement, ça se voit. Et si ça se voit, ça va pas faire joli, joli. Je le dis parce que des fois, pris dans la couture, on ne fait pas attention si on est à l'endroit ou à l'envers. Puis une fois qu'on a fini, on se rend compte, oups, j'étais pas dans le bon sens. Voilà. Et je coupe. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour les petites filles, pour les petits garçons, c'est la même chose. Voilà. Les modèles que je présente des fois, je fais qu'une couleur. À vous de les adapter. Changement de couleur, la déco, les petits boutons. Joue énormément pour déterminer si c'est pour petite fille ou petit garçon. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. La base que je vous montre est adaptable pour tous parce que c'est en fait des modèles intemporels qui se tricotent depuis des années. Ce sont des choses que j'ai apprises, des choses qu'on m'a montrées. Et que j'ai le plaisir, à l'heure d'aujourd'hui, de vous montrer ces modèles-là. Donc, c'est des modèles qui ne sont pas récents. C'est pas moi qui les invente.
C'est des bases qu'on apprend, toutes tricoteuses après. J'ai énormément appris avec des étrangères. C'est pour ça que je ne tricote pas de la même façon que beaucoup de personnes. J'ai des modèles qu'on m'a présentés, qu'on m'a appris, que c'était avec ma grand-mère, que j'ai toujours vu tricoter. Et donc c'est des modèles qui ne sont pas inventés, ce sont des modèles qui sont existants. Après, il y a quelques détails qu'on peut changer pour donner un autre sens au modèle, mais les bases restent pareilles pour tout le monde, que ce soit en français ou que ce soit dans une autre langue, dans un autre pays, les bases restent les mêmes. On n'invente rien au final. On adapte les modèles suivant comment on tricote. On adapte certains modèles où on rajoute des détails, des choses et qui changent la vision du modèle, mais la base reste la même. Donc c'est pour ça que si vous trouvez beaucoup de vidéos pratiquement semblables à quelque chose près, c'est parce qu'on a toutes les mêmes bases. C'est une base qui s'apprend et au final on les adapte après, suivant ce qu'on veut faire. Donc voilà, personne copie sur personne parce que ça date des années et des années. Ma grand-mère tricotait ça, sa mère lui a appris à tricoter, donc ça vient des années et des années. Hein. C'est pas nouveau, ça sort pas de 2017, hein, les modèles. Donc voilà, après on les adapte en les modernisant, bien entendu, mais la base reste la même depuis des années et des années. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu, et je vous dis à bientôt, bon tricot!